l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement ton amour, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venus de partout, nous sommes rassemblés ici pour louer le Seigneur. Au seuil de cette célébration, sœurs et frères, reconnaissons nos pécheurs, demandons pardon à Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Pour notre peu de foi en ton amour, ton évangile, messager de paix, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour t'avoir aimé dans le prochain, de t'avoir pas reconnu et servi. Pardonne-nous, ô Christ, pardonne-nous, ô Christ, pour tenter de bâtir nos vies sans toi, sans espérer le royaume de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. »
les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillons à notre renommée pour n'être pas dispersés sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous le même langage. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien, descendons, embrouillons leur langage, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, Babylone, car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier dans le psaume 32 et nous chanterons ensemble. Bienheureux le peuple de Dieu. De son cœur subsiste d'âge en âge. Le peuple de Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation s'est choisi pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ sur nos chemins. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Jésus-Christ,
Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ sur nos chemins. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde en le payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cours de cette semaine, Jésus ne cesse de se faire proche. Il ne cesse d'être amical. Jésus est un bon ami, un ami sincère. Les laveurs, et pas chambre la guéo. Et je dis à même avec disciples et ensemble avec foule là, en pile monde, Jésus ba yo yon nouveau message. Et message ça, c'est un message qui t'a touché en pile. C'est un message qui t'a fait réfléchir en pile. Message là, il dit yo, si un monde ou voulez marcher derrière, c'est pour oublier tout et c'est pour prendre croix pour suivre moi. Pas avec ce mieux. Suivre Jésus, c'est belle. Suivre Jésus, c'est le meilleur choix que vous êtes capable de faire dans la vie. Suivre Jésus, c'est ça que la vie a même. Mais il dit nous pour nous renoncer. Mais maintenant, c'est ça qui c'est un choix. Quand on choisit, on renonce aussi. En choisissant, on renonce. En choisissant de marcher avec Jésus, eh bien, tu renonces de marcher avec l'autre. En choisissant de faire le bien, de dire du bien des autres, eh bien, tu renonces automatiquement à maudire. Tu renonces automatiquement aux ténèbres parce que tu fais choix de la lumière. Pendant que tu choisis, tu renonces. Et bien c'est ça, et renonciation. Renonciation, ce mieux fait mieux, les marcher avec sa Noëlle, aussi la mortification. La mortification de la vie, la mortification du corps, la mortification même de l'esprit, ça veut dire ou chercher, faire corps, tout ou même tout ça ou gagne, tout ça ou yé, voué, prendre direction, volonté, bon Dieu. De telle sorte que c'est pas ça ou même ou voulez faire, qu'a fait dans la vie ou même, c'est volonté, bon Dieu. C'est ça, bon Dieu, voulez, c'est ça, bon Dieu, désirer, c'est ça, bon Dieu, souhaiter. Lorsque tu choisis marcher avec Jésus, tu auras quand même ta croix, tu vas bien croire. Et dans la vie, ça,
qui est ce monde qui va gagner croix? Mais avec ce mieux, la vie et la croix sont inhérentes. Deux ça yo marcher ensemble. La vie et croix marcher ensemble. Et philosophiquement parlant, pour vivre, faut gagner croix. Et Victor Hugo l'a dit dans son extrait, mais ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Pour lutter, pour vivre, il faut lutter. Lutter contre qui ça? Contre les vents contraires. Contre ça qui mal, contre la pauvreté, contre la misère. Il faut lutter pour vivre. Pas gagner la vie glololo, pas gagner la vie douce sur toute la ligne, ça n'existe pas. Voyez l'enfant, quand il naît, petit bébé a qui l'enfant, l'aile fait, il crie, il pleure. Et ce cri, c'est signe qui dit que la vive, pour qui ça le crie? Il était dans un monde paisible, un monde tranquille, pour le manger, pour le boire, pas bien pour le faire aucun effort. Pour le déplacer, c'est un monde qui déplace, le déplacer avec elle. Tout ça l'a fait, lui prend normalement. Mais le jour, côté liquidité, espace sécuritaire, ça, la paix, ça, la tranquillité, ça, il est venu dans le monde là, il a peur de ce monde. Parce que lui est son monde fort agressif, lui est son monde fort au gambrenoso, lui est son monde depuis le paraît, c'est un guerrier, mais il a peur. Et ce cri lancé est nécessaire. La médecine dit, si tout le monde n'a pas crié, les papes, je m'attendais, non? S'il n'a pas crié, les papes vivent. L'enfant crie. Et ce cri est relatif, est lié à la vie. Il crie et après cria, il commence à lutter. L'enfant commence à lutter. L'enfant commence à vivre, autrement dit. Donc, vivre, c'est lutter. Vivre, c'est affronter les croix. La croix qui m'appartient, la croix qui t'appartient, chaque monde t'y croit pas. Chaque monde ne croit pas. Et Jésus fait avec ce mieux. Il n'a pas dit que les gens qui a marché derrière lui, c'est quoi seulement y a bien, non? Le texte continue pour nous faire comprendre que quand celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la sauvera. Autrement dit, le wap marcher avec Jésus, c'est la vie wap gen. Le wap marcher avec Jésus, c'est même si wap gen difficulté, mais tu remporteras toujours la victoire. Jésus a toujours bonne force pour capable kembe contre ça qui mal, pour capable lutter contre ça qui mal, somme avec frère mio. Dans la vie ça, chaque monde gagne en croix. Et qui t'aime dire croix pas là. Si ou gagne quoi sans Jésus, tu es un homme, une femme foutue. Faut que c'est non pendant ou marcher avec Jésus même pour gagne quoi. Si son l'autre côté où elle cherche quoi, eh bien quoi ça c'est quoi malédiction. Si c'est sous route mauvais à aller, où elle prend quoi, ça pas quoi Christ là. Par contre, si c'est pendant qu'on fait un bien ou je ne crois, bienvenue la croix. Si c'est pendant qu'on vient l'église ou je ne crois, bienvenue la croix. Si c'est pendant où elle fait évangélisation ou bien ou chercher faire bien pour le monde ou je ne crois, merci la croix. Au contraire, c'est quoi ça ou même nos besoins? Car le Christ nous dit, tout le monde qui cherche à sauver la ville, aime la paix. Mais si là qui baille la ville, pour moi et pour l'évangile là, qui s'est passé, l'abgain, avec ce mieux, l'abgain. Où est quoi? Ou apporté dans la voie là? Regardez bien pour elle, si c'est dans la ligne Christ là. Regardez bien pour elle, dans qui cal fou, ou te ramassé quoi ça? Regardez bien pour elle, qui compte te embrasser quoi ça? Est-ce que c'est dans Jésus? Est-ce que c'est dans le travail Jésus? Hein? Est-ce que c'est dans fait impertinence pas? Regardez bien pour elle.
Gardez bien pour quoi ça va porter. Parfois qui fait de l'eau couler dans le jour, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à vivre. Gardez bien pour quoi tu ramasser. Si c'est dans Jésus, gardez prends quoi, embrasser le plus fort, sourire toujours. Mais si c'est pas dans Jésus, pour te prendre là, à le déposer tout doucement. Faut que c'est dans Jésus pour lier. Et toute croix ou bien avec Jésus, c'est quoi la vie liée forme avec ça. Car la croix, c'est l'arbre de vie. Sur cet arbre, eh bien, la vie jaillira. Sur cet arbre, la vie nous est donnée. Sur cet arbre, la vie est propagée à tous. C'est le Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc cette croix que tu portes dans ta vie, gardez bien pour vous qui vous êtes ramassé. Il y a des vieilles croix où elle prend ou maintenant ou son pont gongon. La vie est déjà poussi coussa, clopi clopan. Bon, gardez non, avec quoi ça, ou apkraser le net. Il y a des mouns où elle cherche ou fourre dans la vie ou faire avec ce mieux. Son croix sans retirer. Quoi ça, c'est pas un bois le fait, non, c'est un fait. Et c'est pourquoi, quoi ça, ou gagne, l'idoué conduit dans la vie. Pas gagne croix qui mène dans l'amour. Croix qui mène dans l'amour, il pas croix Jésus-Christ. Jésus-Christ sur route là, il était porté croix, il était mort sur la croix, mais à partir de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, la croix devient symbole de vie, symbole de bénédiction, symbole de grâce, symbole de victoire, symbole de délivrance. Quoi faire avec ce mieux? Il n'est pas mené dans la mort, quoi mené dans la vie? Quoi n'est pas mené dans la malédiction, il n'est pas mené dans la bénédiction? Quoi Jésus a? Il n'est pas fait au fait back, il fait au fait à avant. Quoi Jésus a? Il n'est pas mené dans le fait noir. Les mener on a lu dans lumière. Chaque monde gagne en croix. Mais croix gagne, regardez pour eux. Écoutez la laveur. Regardez pour eux qui direction la faut prendre. Regardez pour eux qui avance, qui progresse, il fait au fait. Parce que Jésus pas venu pour lui bailler la mort, il est venu pour lui bailler la vie. Jésus n'est pas venu pour lui bailler échec, il est venu pour lui bailler succès. Même quoi, ou apporter dans Jésus, avec Jésus et pour Jésus, hein, même si vous tombez à terre, même si vous n'avez pas de souffle à sortir, eh bien, bon Dieu a fini. Ou a bon Véronique sur tout quand même. Ou a bon Simon de Sirène sur tout quand même, parce que tu portes la croix que désire le Christ. La croix, Jésus v'lea. Puis, vous pensez pas avec ce mieux. La vie chrétienne, essayons la vie sans croix. Sans tribulation, sans souffrance. Mais tout, puis vous pensez que la vie Christ là, c'est la vie glonangée, net allée. Ça n'existe pas. Si c'est pour ça, nous n'avons pas besoin de choisir Jésus. Si vous n'avez pas choisi Jésus, c'est de l'eau qui a coulé dans le genou toute journée. C'est crier, n'a crié toute journée. Et ça, Jésus voulait pour nous? Non. Si vous choisissez Jésus, c'est maladie, c'est la mort tous les jours. Or, Jésus vient pour le bailler la vie, pour le craser la mort. Puis vous pensez c'est ça seulement pour le jeune? Non. Ou je suis plus que content. Ou je suis plus la paix, plus la joie. Mais, ou je suis quoi? Ou je suis petit tripotaille? Ou je suis petit chichi? Ou je suis petit monde qui dit des histoires? Mais ça n'a pas de ébranler. Parce que vous avez tête au droit fixée sur la vie. Vous avez tête au droit fixée sur la victoire. Ou qui était tout droit fixé sur la lumière qui brille. Jésus dit nous frère avec ce mieux, il nous inquiéter nous. Quoi ça va porter ya? Les papes qui t'ont porté le pourquoi? Parce que le remède, parce que ces petites filles ou ces petites garçons, quelle que soit forme quoi prendre dans la vie ou qui croit c'est quoi grand goût, c'est quoi chômage, c'est quoi maladie, c'est quoi cancer. C'est quoi pas capable d'enfanter? C'est quoi pas d'un côté pour dormir? C'est quoi, quelle que soit forme li prend, pour avec ce mieux, orienter quoi ou là, sous quoi Jésus y a. Donc, nous aimons dire, Jésus ou devant, avec quoi pas ou, moi-même, moi derrière, avec, et avec quoi pas ou là, tant que Jésus, ou apporter la victoire.
Jésus porte la victoire sur la mort, mais moi porte la victoire sur tout ça qui prend forme la mort, sur tout ça qui corollaire avec la mort. Jésus dit non, rete collé sous lui, rete soudé sous lui. Et nous-mêmes, qu'a fait qui est, qu'a fait ouais qui est Jésus, Jésus pas quitter nos honte. Jésus pas quitter nos prend honte. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Est-ce que nous avons honte de témoigner Jésus? Non. Est-ce que nous avons honte de parler pour nous dire qu'il est Jésus? Non. Est-ce que nous avons honte pour nous dire tout? Mais qui m'éveille, Jésus fait dans la vie, non? Non. Un jour, il faut nous témoigner. Un jour, il faut nous dire qui côté nous est avec quoi, qu'on y a mais qui côté nous est. Un jour, il faut nous dire, et bien quoi ça n'a pas avec Jésus, pour Jésus, non, non Jésus, hein? Et mais qui côté quoi ça, les mettez nous. C'est pour le mettre nous dans la vie, dans la lumière, il va jamais finir. La lumière Christ là, il était là hier, il a jeudi, hein, il a appelé pour tout un gain temps. Amen. Prions ensemble que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous disons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es témoin. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre lieu. Bien, Seigneur Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui on a recommandé cette messe. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Et souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts
accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté sur chacune de nous ici présents participant à cette messe, sur nos frères et sœurs qui ont recommandé cette messe et qui comptent sur nos humbles prières, sur ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Brice Marlon, Cassandra Aurélus François, Cédric Pierre-Pierre, François Maïfella, Jacqueline Saint-Louis, membre du groupe Les Bénis d'Altagrâce, Marc-Arthur Saint-Cyr, Marie-Valette Augustin, Mia Maisonneuve, Ulrich Auguste, Vainika Maurice, Widline Bruni, Yolette Bigaor, Jean-Daniel Siméon, Révérend Père Roland Desormeaux, Jean Perrault, Alex Baptiste, Jean-Louis, Manuela Darius, Will Joseph et un membre des frères Mariste. Nous implorons ta bénédiction sur tous ceux qui pleurent et qui meurent, sur tous ceux qui traversent des moments difficiles. Apporte-leur un brin de lumière. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur tous ceux-là qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Nous implorons ta bénédiction sur notre pays, Haïti, sur chaque Haïtien. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je mets tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. C'est la joie m'a psymé, l'amour m'a débordé. Pour qui manger l'enfant que moi le pape d'Angour encore. Pour qui moi la passe sans moi le pape j'en sois. Homme cherche très loin, mais pour qui va cacher. Approchez vos côtés, tape-moi vite manger. C'est la joie, même si même l'amour m'a dévoré. On qui mange un enfant que moi, le pape grand goût encore. On qui boit le massé sans moi, le pape j'en sois. C'est la joie m'a psymé, l'amour m'a débordé. Pour qui manger l'enfant que moi, pas de goût encore. Pour qui boire en passé sans moi, pas de jambes Thank you.
un chemin pour te chercher. Toute ma vie pour te chanter. Chaque matin, c'est merveilleux de se savoir aimé. Merci Seigneur. Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins,
qui erre dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Saint Benoît, chassez Satan loin de nous, au nom de Jésus. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Si quelqu'un qui a fêté l'anniversaire de naissance, nous devons avancer devant. Pendant Nabdi Brice, Marlon, bonne fête. Cassandra, Aurélie, François, bonne fête. Cédric, Pierre, Pierre, bonne fête. Bonne fête à François Mifaela, Jacqueline Saint-Louis, membre du groupe Les Bénis d'Altagrâce, à Macature Saint-Cyr, à Marie Violette Augustin, Mia Maisonneuve, Ulrich Auguste, Vainika Maurice, Wedlin Bruni, Yolette Bigaor, Jean-Daniel Siméon, Révérend Père Roland des Ormeaux, Jean-Pierre Rode, Alex Baptiste, Jean-Louis, Manuela Darius, Will Joseph. Pendant n'a chanté pour yo, joyeux anniversaire et devant n'a béni yo. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday. C'est pour bon Dieu béni, bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni. C'est pour bon Dieu béni, bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni. Pour aller à l'autre messe à midi, c'est tous les jours de lundi à vendredi. Gagner messe 6h, 7h et midi. Alors disons jusqu'à samedi, mais samedi, l'idée est structurée déjà, l'idée là déjà. Et nous demandons, nous, tout le monde qui est capable de venir participer dans la messe, donc c'est pour nous. Jeudi, c'est vendredi. Dans l'ordre normal des choses, nous avons dit, c'est le saillot fait carnaval étudiant. Mais jusque-là, nous mettons point d'interrogation. Mais dans l'école là, nous faisons des activités pour Timounio. Si il y a un parent qui accompagne, tant mieux. Et c'est là, peut-être, nous capables de venir faire lever pied, nous. Même s'il n'est pas haut, mais nous allons songer à d'antan. Donc, autant que nous joignons petit côté pour nous prendre une petite distraction, nous, sainement, nous inviter pour nous prendre. Puis, nous oublier, quoi Jésus a battu nos potes, ce n'est pas quoi qui loue pour nous. Et quoi Jésus a, ce n'est pas quoi qui mène dans la mort, mais c'est quoi qui mène dans la vie. Vive avec cœur content comme chrétien, comme baptisé, et la victoire c'est toujours pour nous la pied. Victoire c'est pour les gens qui croient en bon Dieu. Moi je souhaite nous passer un bon week-end, passer un bon journée vendredi, qu'un BFM dans bon Dieu par la guerre. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Arriver à ma porte, c'est lui qui frappait
il est entré, il m'a dit, je suis venu illuminer ta vie. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde, le cœur de Dieu est grand comme la mer, le cœur de Dieu.